Dans le mot humain ici, vous avez bien sûr l'humanité. And that word man, you have all of humanity is included. Et au verset 28. And in verse 28. On nous dit Dieu, hein, Elohim, Yahweh Dieu, les bénit. C'est-à-dire l'homme et la femme, le mâle, n'est-ce pas, et la femelle. Dieu les bénit. And it says that God blessed the male and female. Oh. C'est ça, non? Amen. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, parce que l'homme et la femme, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, parce que la femme a été créée par le Seigneur, bâtie par Dieu, man and woman were created in the image. Dieu va les bénir, l'homme et la femme. God blesses the man and the woman. Beaucoup de gens se mettent ensemble alors qu'ils ne sont pas dans la bénédiction de Dieu. Je ne parle pas de l'argent. But many people are coming together and they're not under God's blessing, and I'm not talking about money. Comment voulez-vous que ce couple réussisse? So how do you expect this marriage to Les succeed? Gens se disent chrétiens, ils trompent leur femme, les femmes trompent leur mari, c'est la cacophonie, c'est Babylone, c'est Babel, c'est une confusion dans les églises, même dans les églises de maison, une confusion terrible. You know, these are Christian homes where the man is cheating on the woman, the woman's cheating on the man. There's confusion, it's Babylon, it's a battle. Des hommes qui parlent mal à leur femme alors qu'ils veulent prêcher l'évangile. Men who talk badly to their wives and want to preach the gospel. Ils lèvent la main sur leurs enfants, ils sont impolis, ils sont indisciplinés à la maison, c'est la confusion. They hit their kids, they're rude and impolite at home. It's confusion. Faisons l'homme, faisons l'être humain à notre image. Let us make man, let us make human beings in our image. Dieu avait un modèle. God had an example. Un modèle. An example. L'homme que tu veux épouser là, quel est son modèle? The man that you want to marry, what is his example? La femme que tu veux épouser, quel est son modèle? The woman that you want to marry, who is her example? Chez les Hébreux. With the Hebrews. Qui ont des chewing-gums, est-ce que vous pouvez le mettre de côté, s'il vous plaît? If you're chewing gum, please take it out. Chez les Hébreux, with the Hebrews, quand un homme devait, n'est-ce pas, marier son fils, when a man wanted his son to get married, il exigeait que la famille de la femme soit une famille correcte. He
He required that the future wife's family. Il se renseignait que l'homme et la femme, le papa et la maman de la jeune femme, la future femme de son fils, sont bien éduqués, craignant Dieu. He wanted to know that the future in-laws of his son would be upright. Quels sont les modèles de jeunes hommes, des jeunes femmes d'aujourd'hui? What is the example to the young men and young women? En parlant de leurs parents. Aside from their parents. Quels sont les modèles qu'ils ont? What examples do they have to follow? Un père absent. An absent father. Une mère absente. An absent mother. Un père alcoolique. An alcoholic father. Une mère qui crie dans la maison qui se dit chrétienne. A woman who screams all the time in the house. C'est quoi le modèle que beaucoup de gens ont? These are some of the examples that people have. Et comment voulez-vous que ces futurs mariés réussissent dans leur projet? So how do you want these future husbands and wives to succeed in their marriages? Parce qu'ils ont eu comme modèle parents dont les couples sont brisés, des femmes violées, des femmes trompées, des mamans trompées, c'est la confusion générale. They come from broken homes, women who are being cheated on, men who are being treated on, it's complete confusion. Faisons l'être humain à notre image. He said, let us make man in our le modèle. That's the example. Et on nous dit que Dieu va créer l'homme et la femme. And it says that God created man. Et il va les bénir. And he blessed them. Porter du fruit, premièrement. He told them to be fruitful. Première conséquence de la bénédiction, porter du fruit. The first consequence of the blessing was to be fruitful. Ah. Number one. Quels sont les fruits que nous avons dans nos familles aujourd'hui? What is the fruit of the families we see today? Des fruits qui ne sont même pas comestibles. Fruit that cannot be eaten. Oh, Dieu, sauve-nous. God, help us all. Je dis à mes trois enfants, grâce au Seigneur, qui sont encore vierges, je l'ai né à 20 ans, le deuxième, 17 ans, vierge, le troisième, 15 ans, vierge, on dit, vous allez épouser des femmes vierges. And I told my three children, 20, 17, and 15, they're all virgins, and I said to them, you're going to marry women who are virgins. Vous avez des jeunes femmes de 15 ans qui ont déjà connu 5, 6, 7 hommes. You know, the young girls, 15 years old, they already slept with 4, 5, 6, 10. Parce que le modèle du monde est un modèle impie. Because they have an impure example that they see in the world. Avec des parents qui laissent leurs enfants, leurs jeunes filles de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, amener le petit copain à la maison, se caresser les uns les autres. They're letting their 12 and 13 year olds bring their boyfriends home and hug and kiss them in front of them. Hier, yesterday, j'ai vu deux jeunes gens qui ne sont même pas mariés en train de se coller l'un à l'autre, deux jeunes gens. Not married and they are just stuck to one another. Soit disant parce qu'ils sont fiancés. Ça, c'est des choses que je dénonce avant mis dans tous mes états la guerre pour ça. And these are things I denounce. Et des parents chrétiens, des gens sont là, ils voient toutes ces bêtises et des gens se disent chrétiens croyants. Christians. Il y a une confusion dans les églises aujourd'hui. Là. Christians who are parents and looking at these things. Même les gens qui se disent de suivre les enseignements là, tout ça. Il y a une confusion comme pas possible. Beaucoup de gens ne veulent plus du Seigneur. There is an impossible confusion to the point where people don't even want to know who God is. Et ça suit les enseignements depuis des années. They're still following the teachings for years. Ça suit des chrétiens. They say they're Christians. On ne veut plus faire des programmes comme ça. On ne veut plus. Je ne le sens plus. Le Seigneur ne va voir les pauvres, va dans la rue, va rencontrer les gens. That's why the Lord is telling you, don't have meetings like that. On ne veut pas du Seigneur. Go to the poor. Because people don't want them. They don't want them. Quel modèle? What's the example? L'homme ne t'a pas épousé et tu es assis à côté de lui, collé bras dans le bras. Mais vous moquez de qui la chrétienne? Voilà le modèle. Quand vous grattez le modèle de foyer, confusion, divorce, remariage, tout ça là, maman. Il y a une confusion chez les chrétiens. Le monde n'en parle même pas. Mais ceux qui se disent chrétiens, là, c'est même pire.
You know, the problem is that you're not even married to this man, you're stuck to him like glue. You know, and then there's confusion in the home and people are wondering why. Mon fils de 20 ans, je le dis à tous, je le dis, si tu sors, tu ne rentres pas comme tu as 20 ans. Avant, après minuit, tu restes dehors. I told my son, he's 20 years old, I said, you better not come home after 8 o'clock or else you stay outside. Celui de 17 ans, tu ne rentres pas après 22 heures. I told my 17-year-old. Pas le week-end, la semaine, pas de sortir le soir. Vous êtes à l'école, le week-end, je vous sentais pas avant, après 22 heures, tu restes dehors. Okay. So he says, you know, I tell my children, you, during the week, you don't go out at night, but if you go out at night on the weekends, curfew is 10 p.m. Celui de 15 ans, le week-end, c'est la semaine, le week-end, si tu sors manger avec des amis, tu rentres pas avant 21 heures, après 21 heures, sinon tu restes dehors. And I tell my 15-year-old, your curfew is 9 p.m. or else you sleep outside. Aujourd'hui, les gens, vous êtes chrétiens, on appelle chez vous à 22h30, 23h, des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils sont encore debout, ils ne font pas debout à 23h. You know, Chris, you call Christians home at 10:30, 11 at night, the kids, 3 years old, are still awake, and you're telling yourself you're Vous faites des enfants et vous n'êtes pas capable de prendre le temps avec eux. You have kids and you can't take the time out with them. De discuter, dialoguer avec eux. You argue with them. Et on veut le ministère. And we want to practice a ministry. On veut faire le ministère. We want to practice a ministry. Vous savez pourquoi vos églises sont malades? You know why the church is sick? Mais parce que les gens qui composent ces églises sont des familles et ces familles sont malades. It's because the church is made up of families who are sick. The example of this man is his heavenly father. Vous avez vu? Do you see? Qu'est-ce que le père a fait? What did the father do? Avant de créer Adam. Before creating Adam. Il a d'abord créé les cieux et la terre. First he created the heavens and the earth. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? And what did he do? Il a planté un jardin en Éden. He planted a garden in Eden. Pourquoi? Why? Parce qu'il a préparé le futur de son enfant. Because he was preparing the future of his child. Vous avez vu? Have you Ça, seen? C'est le rôle d'un père. That is the role. Et combien de pères chez les chrétiens préparent-ils le futur de leurs enfants? How many Christian fathers are preparing the futures of their children? Comment voulez-vous qu'ils préparent le futur de leurs enfants parce qu'eux, ils n'ont plus de futur? How can you expect them to create a future for their children when they themselves Ils n'ont jamais future? Eu de futur. They never even had a future. Parce qu'un père qui pense au futur de ses enfants, il ne va pas faire des enfants pour faire. Because a father who thinks about the future of his children will not just have children just Parce que c'est un investissement. Because it's an investment. Il a préparé un jardin. He prepared a garden. Il a préparé le futur là-dedans. He prepared Adam's future. Parce que c'était son travail. That was his job. Il a préparé sa profession, préparer son métier. He prepared him for a job, for a trade. C'est ça un père. That's what a father does. On fait des enfants. We have children. Mais il faut s'en occuper. You gotta take care of them. Il faut les nourrir. You gotta feed them. La Bible dit quoi? What does the Bible say? La Bible dit, et vous pères. Yeah, Ephesians says, you fathers. Et vous pères. You fathers. N'irritez pas vos enfants. Do not irritate your children. Mais éduquez-les. But teach them. Éduquer, teach them. Nourrir jusqu'à maturité. Means to feed them until they're mature. C'est-à-dire nourrir l'enfant. That means feeding the children. Qui vient de naître. Who are just born. Avec la parole de Dieu. With the word of God. Avec l'amour que tu es censé lui témoigner. With the love that you testify. Tu vas le nourrir aussi en étant fidèle à ta femme. And you
feed them by being faithful. Parce que l'enfant a besoin de se nourrir de la fidélité d'un homme vis-à-vis de sa femme. Because the children need to be fed on the faithfulness of the man towards them. Comme ça, cet enfant sera lui à son tour fidèle. And that's how that child will be taught to be faithful. Jusqu'à maturité. Until he is mature. C'est-à-dire quand le fruit devient mûr et que l'on peut maintenant le cueillir. And that means when the fruit is ripe and you can. Et la maturité ici correspond, n'est-ce pas, à l'époque où l'enfant maintenant est capable de fonder son foyer. And that maturity speaks of the time when the child is able to build their own home. Oh Seigneur, sauve-nous. Lord, help us all. Le chef, l'homme. The head, the man. Nous sommes dans une société où les rôles sont inversés. Where the responsibilities les hommes deviennent les femmes deviennent les hommes. Man has become woman and women have become men. Et une confusion. There's a confusion. Confusion de genre. Confusion of sex. Les hommes se féminisent, les femmes sont masculines. Women are masculine, men are feminine. La confusion généralisée. It is general confusion. Vous avez vu un couple de tourterelles? You've seen a, do you see the tortoises? Vous avez vu un couple de tourterelles? Have you seen the tortoises, the couples of tortoises? Les deux sont toujours fidèles. They're both faithful to one another. Jusqu'à la mort. Until they die. Vous avez vu comment ces deux oiseaux élèvent leurs enfants? You see how birds raise their children? La nature nous enseigne. Nature teaches us. Combien d'enfants avez-vous abandonné? How many children have you abandoned? Combien d'enfants avez-vous fait à gauche à droite? How many children have you made to the right and to the left? Et on laisse l'État éduquer nos enfants. And we let the state teach our children. Vous faites des enfants et vous les envoyez chez le voisin pour qu'ils les nourrissent. You make children and let your neighbors feed them. Combien de pères, de mères sont-ils capables de s'asseoir avec leurs enfants pour vérifier que à l'école on ne leur apprend pas n'importe quoi et si jamais on leur apprend n'importe quoi, mais de corriger, de rectifier cela. How many men and women sit down with their children and ask them what they're learning at school so that if they're not taught properly, they can correct it. Oh Dieu, sauve-nous. Lord, help us. Il ne suffit pas d'avoir des sentiments pour quelqu'un pour que ton couple réussisse. It is not enough to have a baby to try and make your marriage succeed. L'homme que tu veux épouser, quel est son modèle? What if the man that you want to marry, what is his exact? Un père ivrogne. A drunk father. Un père soulard. A drunk father. Un père qui ne sait pas dialoguer. A father who does not know how to speak. Qui ne fait que crier sur les enfants. All he does is scream at his kids. Qui n'est pas assez patient pour répondre aux questions de l'enfant. Who's not patient enough to answer his children's questions. Et parce que de 0 à 7 ans, l'enfant est très curieux et il pose beaucoup de questions. Because between birth and 7 years old, children ask a lot of questions. C'est une période durant laquelle le cerveau de l'enfant a, n'est-ce pas, accumule beaucoup de connaissances. That's when the child's brain is getting a lot of knowledge. C'est pendant cette période-là que l'enfant doit être bien éduqué, bien formé. That is the time when the child needs to be taught well. Les 7 premières années. The first 7 years of life. C'est le fondement de la vie de l'enfant. That is the foundation of the child. Voilà pourquoi on dit dans Proverbe 22:6, instruis l'enfant à l'entrée de sa voie. That's why in Proverbs it says, teach the child in the way he should go. Quand il sera devenu vieux, il ne s'en détournera pas. And when he is old, he will not depart from it. Parce que cet enfant qui est au monde, because the child that he brought a besoin de voir le chef fonctionner correctement, le père. Needs to see the father taking on. Un père capable de changer ses couches. A father was able to change his diaper. Un père capable de laisser dire à sa femme, tu es fatiguée, la nuit dort, je m'occupe du bébé qui pleure à 3h du matin. A father was able to say, look, the baby is crying, I know you're tired, I'll take care of it. Un père capable d'aller travailler pour en manger. A father is able to go out to work and bring home un the baby. Un père capable de dire à sa femme, voilà le salaire que j'ai gagné, je te donne tout, j'ai tout. A father is able to say, look, here's my whole paycheck. Parce you think hommes sont des chrétiens et qui cachent à leur femme combien ils gagnent. There's men, Christian men, who hide their salaries from their wives. Ces voyous spirituels qui sont des chrétiens. These spiritual men, these people who say that they're Christians. Ces menteurs, ces hypocrites. These liars and hypocrites.
Alléluia. Amen. Le frère sera en France, je leur dis, si vous avez des problèmes aux femmes, restez chez vous à la maison. You know, I tell the brethren in France, if you have problems with your wife, stay home. Quand ils se marient, on leur dit, ne venez plus, laissez avec vos femmes pendant au moins un an, qu'est-ce que c'est? Comme la parole dit. You know, they get married and then the wives don't want them to come to church and that's it. Ceux qui travaillent avec moi, depuis quand ils se marient, they tell them to stay at home. Oh Dieu, sauve-nous. God help us all. Dieu God revient chercher des familles. Is coming to bring to get families. Qu'est-ce que c'est pas un pays? What is a country made of? C'est un ensemble de familles. It is a gathering of families. Et que font le pays? What makes a country? Et ils détruisent la source familiale. If you can destroy the source, which is the family. Le papa et la maman. The father and the mother. L'équilibre. You need balance. Alléluia. Amen. L'heure est grave. The hour is serious. Où sont les modèles? Where are examples? Ces hommes, ces stars là qui en sont à leur quatrième mariage. Movie stars that are on their third and fourth marriages? Où sont les modèles? Where are the examples? Tout humain a besoin d'un modèle. Every human being needs to follow an example. Paul dit, Paul says, portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez à nous. Set your eyes on the example that you have seen in us. Dormez pas. Don't sleep. Portez le regard. Set your eyes sur le modèle. On the example. Le modèle. The example. Où sont les modèles? Where are the examples? Vous avez le nombre de pasteurs divorcés et remariés? Do you know the number of pastors are getting divorced and remarried? Vous avez le nombre d'enfants qui ne connaissent pas leur père, leur mère? The number of children who don't know either their father or their mother? Vous avez le nombre de jeunes femmes qui tombent enceintes, qui accouchent avant 18 ans, avant 20 ans, et qui amènent des enfants, qui confient leurs enfants à leurs parents pour qu'ils les élèvent. You know, the number of young women that are having babies and giving them to their parents to raise. Le chef. The head. Bâtir une femme. Or literally, he will build up. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. He said it's not good for man to be alone. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. It is not good for man to be alone. Là, il parle de l'homme mal, le mal. He's mal. Talking about the male gender now. Le genre masculin. The male gender. Donc deux hommes qui sont ensemble, ils sont toujours seuls, selon Dieu. So according to God, two men that are together are still. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. On acclame le Seigneur pour sa parole. Même si cette génération ne veut plus la parole du Seigneur, mais il y a une race persécutée par Babylone et qui s'accroche à l'évangile du Seigneur. Even though this generation does not want to know about God, there is a race and a nation that still clings to the word of God. Dieu dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. God says it's not good for man to be alone. Soit seul. For man. Adam était riche. Adam was rich. Il avait un grand jardin. He had a big garden. Il avait de l'or. He had gold. Le diamant. He had diamonds. Beaucoup de fleuves. A lot of rivers. De fruits. All types of fruit. Il était en compagnie de toutes sortes d'animaux. He had the company of many types of animals. Il avait tout. He had everything. Pour être riche selon les hommes. According to them, he was rich. Dans le bonheur selon les hommes. He was wealthy according to them. Mais il n'avait pas ce bonheur. But he did not have wellness, good well-being. Et Dieu dit. And God said, je lui ferai une aide qui soit
son vis-à-vis, littéralement. I will make someone who is similar to la femme, is like this. So the woman, la femme, the woman, n'a pas été créée pour être derrière l'homme. Was not created to be behind man. Elle a été créée pour être devant l'homme, vis-à-vis de l'homme, en face de l'homme. She was created to be face to face with man. Parce que l'épouse de Yehoshua contemple sa face. Because of the bride of Jesus, Yeshua, Dieu dit à ma face, marche devant ma face. God says, walk before my face. Alléluia. Amen. Vous savez la marche chrétienne commencer? You know when the Christian walk begins? Vous savez comment nous marchons avec le Seigneur? You know how we walk with the Lord? Eh bien, nous marchons face au Seigneur. We walk face to face. C'est comme ça que nous marchons. That's how we walk. Face au Seigneur. Face to face. Regardez. Tu peux venir. Voilà. Face au Seigneur. Reviens vers moi. Face to face. Le Seigneur, toi t'es comme ça. You, le Seigneur en face. You are walking and the Lord is walking. Je ne vois pas derrière moi. I can't see behind me. Pose-moi la question pourquoi. Ask me why. Derrière moi, ce n'est pas le passé. Because behind me is past. Derrière moi, c'est le futur. Behind me is not the past. Et je regarde vers le Seigneur. And I'm looking to the Lord. Et lui, il assure mon futur. And he is assuring my future. So man doit être face à sa femme, la femme face à l'homme. Has to face the woman and the woman has to face the man. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? And what does God do? Il va endormir l'homme. He puts man to sleep. Il va endormir l'homme. He puts man to sleep. Ça c'est l'image de la mort. He faces death. L'homme and man doit aimer sa femme au point de mourir pour elle. A man must love his wife to the point of dying for her. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Et l'amour que Dieu a pour nous a produit la mort. You know, God so loved the world that he gave his only begotten son, and the love that God has for us. Beaucoup d'hommes ne veulent pas dire à leur femme combien ils gagnent et comment voulez-vous qu'ils leur donnent leur vie? Many men don't want to tell the woman their salary, so how can you expect them to give their lives to her? Voulez-je parler? Alléluia! Mes sœurs, ne vous arrêtez pas aux belles paroles, il faut des preuves! My sisters, don't listen to these nice words, get the proof! La femme n'a pas été bâtie pour nourrir l'homme. Man, woman was not built up. C'est l'homme qui a été créé pour nourrir la femme. It is the man that was created to feed the woman. La seule fois où la femme a nourri l'homme, voilà où nous en sommes. The only time that a woman fed a man, here we are. Can I say? So marry a man who doesn't know how to work, you're gonna suffer. Vous appelez l'homme à midi, il dort. Il dort pourquoi? You're calling the man noon, he's sleeping. L'homme doit être debout à 4 heures. You know, he gets up at 4 p.m. Pour la prière et pour aller poser. To pray and to brush his teeth. A generation of feminine men qui s'accroche aux allocations canadiennes. Who's clinging to the welfare of the state? Will je parle? Can I speak? Et qui prennent les femmes pour les poules pondeuses afin d'avoir des allocations avec les enfants? And make kids with the women so that we can get our family allowance. Will je parle? Can I speak? On va parler. Let's talk. Ta maison n'est pas assez grande, mais tu as déjà un troupeau d'enfants. Your house isn't big enough, but yet you have a tribe of children. 10 enfants avec 3 chambres. You know, 10 children, 3 bedrooms. Et il y a au moins plusieurs lits superposés comme ça. And all these double beds. Comment voulez-vous avec cette proximité sexuelle, n'est-ce pas? Comment voulez-vous avec cette proximité, hein? Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de promiscuité sexuelle? And how do you expect there not to be sexual promiscuity in this life? La proximité peut créer une proximité, n'est-ce pas, promiscuité sexuelle? Yeah, the proximity, that closeness creates sexual promiscuity. Vous mettez dans une même chambre des frères et sœurs, comment voulez-vous que demain il n'y ait pas d'inceste? You know, you put the sons and the daughters in the same room, and how do you expect there not to be any sexual promiscuity? Can I speak to somebody? Les secrets des familles, ils vont sortir au nom de Yeshua. The secrets of families are going to come up here in the name of Yeshua.
avant de venir. Before coming, un frère avait pu me voir. A brother came to see me. C'était mardi dernier. It was last Tuesday. Il m'a dit, je suis en train de gérer une situation. He says, I'm going through a situation. Une jeune fille de 15 ans. There's a young girl of 15 years old. Dont le papa est décédé. Her father died. Sort de la douche. She came out of the shower. Ne sachant pas que son frère était là. Not knowing that her brother, her older brother was there. Elle sort de la douche nue. Came out naked out of the shower. Son frère la voit comme ça. And her brother saw her naked. Et il lui dit, viens dans ma chambre. And he said, come to my bedroom. Et ils vont bouger ensemble. And they slept together. Et c'est elle maintenant qui a demandé le sexe à son frère. And now she is asking her brother to have sex même with her. Même père, même mère. Same father, same mother. Ce sont les Congolais. These people are from Congo. Et ensuite son frère lui dit, tu sais que tu peux gagner beaucoup d'argent. And si tu veux, tu peux gagner beaucoup d'argent. And her brother told her you can make a lot of money. Et know. Il l'introduit, n'est-ce pas, à la prostitution. And brings her into the sex trade. Et maintenant, les gens commencent à la battre. 15 ans. Et puis ils la tapent. And people are starting to beat her. She's des hommes de 40 ans, 50 ans. 50-year-old, 40-year-old, 50-year-old men. Et elle n'en pouvait plus. And she can't do anything about it. Elle a porté plainte pour arrêter son frère. Then she went to the cops and they arrested her brother. Why? La proximité. Because of that closeness. Peut engendrer. That can. La promiscuité sexuelle. Can bring about sexual promiscuity. Vous faites tellement d'enfants de manière désordonnée. You have so many children and so many baby mamas. Qu'il n'y a pas assez de place pour l'accueillir. There's not enough space for them to live. Être chef. Being the head. Un chef. A head. Un père. A father. Selon Dieu. According to God. C'est quelqu'un qui travaille, n'est-ce pas, qui va prévoir les choses à l'avance. Qui va. Someone who looks toward the future. Qui travaille dans l'anticipation. They work to anticipate the future. Nous sommes des êtres intelligents. We are intelligent beings. On ne fait pas d'enfants pour faire d'enfants. We shouldn't have children just to have kids. Où je parle. Amen. Où je parle. Amen. Alléluia. Vous savez le nombre de cas d'inceste qu'il y a dans les familles? Do you know how much incest cases there are? C'est hallucinant. It is incredible. Parce que les hommes deviennent de plus en plus des animaux. Because men are becoming more and more like animals. On a des jeunes femmes qui vont donner naissance aux enfants. Alors, elles-mêmes ne sont pas prêtes, elles ne sont pas éduquées. Biologiquement, elles sont prêtes. Mais au niveau du mental, elles ne sont pas prêtes. But we have children making children and they're not mentally able to take the task on. Dieu bâtit la femme. God built the Dieu wife. Crée l'homme et Dieu bâtit la femme. God created the man, but he built the wife. Il a créé l'homme. He created man. Avec la poussière. From the dust. De la terre. Okay. L'argile. The dust of the earth from clay. Il a façonné l'homme. He shaped man. Maintenant, on prend la femme. But for the il prend l'homme. He took the man. Il le tue. And he killed him. L'homme que tu veux épouser. The man that you doit avoir expérimenté la mort. He has to have experienced. Parce que celui qui est mort. Because the one who is dead. Ne réagit pas. Will not react. Donner un coup de pied à mort, il ne réagit pas. You kick a dead person. Mais si un homme réagit à chaque fois qu'il y a une belle femme devant, c'est fini pour toi. But if every time a man, your future husband sees a woman. Mettez un cadavre là. You're in trouble. Mettez un cadavre là devant. Put a dead body there. Faites passer une belle femme devant ce cadavre. And make any beautiful woman. Il ne va pas réagir parce qu'elle est morte. He will never react because he's dead. Si tu épouses un homme qui est vivant selon le monde, tu vas souffrir toute ta vie. If you marry a man who is alive according to the world, you will suffer for the rest of your life. C'est pour ça que la vie chrétienne commence par la mort. That's why the Christian life begins. Celui qui veut me suivre dit le Seigneur, il va mourir à lui-même. The Lord says, whoever wants to follow me has to die to himself. Il doit renoncer à sa vie. He has to renounce his own life. Alléluia. Amen. Oh Dieu, sauve-nous, délivre-nous. Oh God, help us all, deliver us. Je n'avais pas prévu de parler de ça aujourd'hui. I wasn't planning on talking about that today. Dieu
Dieu a tué l'homme. God killed man. Profondément, l'homme était endormi. Profondément. Man was sleeping so deep. Dieu prend. Il prend quoi? That God took what? Il a pris quoi? What did he take? Ah? He took his. Donc quand tu penses que tu es une côte, je suis une côte. Do you think you're just a river? Côté. On nous a menti. We were like. Vous ne jouez pas. Can I talk? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une sœur. Qui croit que l'homme et la femme deviennent un? Who believes that a man and woman are one? Diviser un par deux, ça fait quoi? When you divide one in half, what is it? Ça donne combien? Un divisé par deux. One divided by two is. La moitié est une demi, 0,5. Donc, moi je suis 0,5. So I'm 0.5. Donc la moitié, ma femme est 0,5. And my wife is 0.5. Pour que ça fasse 1. To make up that 1. Donc Dieu a repris une côte. So God took, did not on nous a menti. We were like, l'hébreu, le terme hébreu signifie d'abord côté. In the Hebrew it says, Dieu a pris le côté de l'homme. It means the side. The man has to know his identity. La femme doit connaître aussi son identité. And the woman has to know her identity. Qui tu es? Who are you? Qui es-tu? Who are you? Toi, femme. You, woman. Une côte. You're a rib. Parce que tu seras écrasé par l'homme. That's why you'll be trapped. Parce qu'il va estimer que tu n'es qu'une côte. Because if you're just a rib. Mais si l'homme comprend que la femme est sa moitié. But if a man understands that the woman is half of him. Il va prendre soin d'elle. He will take care of her. Il les a créés mâle et femelle. That's why the word says he created them male and female. Mais Adam ne voyait pas le côté femelle parce que c'était un mystère. La femme était un mystère. But the woman is a mystery. Adam did not have that female. Comme l'église était un mystère caché. As the church is a hidden mystery. Pour que ce mystère soit révélé de la femme, il fallait que la mort intervienne. And for the mystery of the woman to be revealed, death has to enter. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, sauve-nous. Lord, help us all. Les gens veulent aller comprendre le sexe, ils aiment le sexe alors qu'ils ne savent même pas ce qui est l'homme, qui est la femme, c'est quoi le mariage. Faut you know, men and women love to have sex, but they don't know what is male, what is the female, and where it all ends. C'est comme si vous donnez à quelqu'un un véhicule sans lui apprendre comment lui montrer comment le véhicule peut, on peut l'utiliser, comment on peut le conduire. It's like giving somebody a car without showing voilà, how to drive, and this is what's happening. Voilà. Oh Seigneur, sauve-nous. Lord, help us all. Dieu bâtit la femme. God built. Ici, c'est l'architecte qui intervient. It is the great, great architect that has intervened. Et on ne peut pas bâtir une maison sans la fondation. You can't build a house without a foundation. La femme a une fondation. The woman has a foundation. Dieu bâtit la femme. God built the woman. Et une fois qu'elle finit de la bâtir. And when he finished. Comme les choix a dit, je bâtirai mon église. Like Jesus says, I will build my church. Il prend la femme. Then he takes the woman. And he takes the woman and brings her to you. Dieu vers toi, ta femme. Let God bring your wife to you. Alléluia! Amen. Oh Seigneur, sauve-nous. Lord, help us all. Femme. Woman. Qui t'a travaillé? Who worked on you? Qui t'a bâti? Who built you? Qui? Who? La société. Was it society? Là, tu seras toi. Voilà pourquoi tu étais en biais, tu es bâti en biais. That's why you're limping. Tu n'es pas respectueuse, tu parles mal. You're not respectful, you don't speak properly. L'homme dit une parole, toi t'avais déjà dit 40. When the man says one word, you answer for 40. C'est toi qui diriges la maison là-bas, c'est toi qui diriges l'homme. L'homme n'a plus son mot à dire. C'était, il est devenu une
une omelette. The man has nothing to say in the home, you're the one who leads the home. Vous voulez que je parle? Can I talk? Vous voulez que je parle? Can I talk? Moi, dans le robot, tu dis à ton mari, si tu veux, je vais appeler la police, on va te mettre dehors. You know, because Fred your husband saying, look, if you do anything, I'm going to call the police. On va parler aujourd'hui, maintenant, deux choses. Comme je ne suis pas venu pour votre argent, donc je peux tout vous dire. Because I'm not here for your money, I can tell you anything. Vous voulez que je parle? Can I talk? La femme, le modèle de la femme aujourd'hui, c'est lequel? C'est what is Jezabel. Jezabel. What is the example for the women today? Vous avez vu toutes ces femmes mariées aux trans? This woman made up to the nines. Vous avez vu toutes ces femmes avec des cheveux bizarres? You see with the strange hair. Voilà, je parle. Can I talk? Vous avez vu que le corps de la femme appartient à son mari, vrai ou faux? Does the woman's body belong to her husband? Vous avez vu ces femmes avec des seins en l'air? But they have these women with all the tous les hommes voient leur sein? All the men are looking at the cage. Have you seen that? Their legs are all outside. Pour que tous les gens les observent. So that everybody can pay attention to them. Voilà, Jezabel. That is Jezabel. On va parler. We're going to talk. Quand il fait chaud, on voit les femmes avec des caleçons ici. When it's hot outside, you see them with their shorts. Ça se dandine comme les dindes. They're putting themselves on display like a turkey. Voilà, je parle. Can I talk? Alléluia. Amen. Vous connaissez la vérité? Let's talk about the truth. C'est que ça ne plaît pas à tout le monde, c'est pas mon problème. I know that not everybody likes it, but too bad. Tu as commis l'erreur de venir ici si tu n'aimes pas cette vérité. If you don't want to hear the truth, ça va te poursuivre jusqu'à la fin. Because it's going to follow you right to the end. Parce que c'est la parole. It is the word. Oh Seigneur, sauve-nous. Lord, help us all. La famille. Qui se rend compte qu'il y a un problème au niveau des familles. Who realizes that there's a problem? Tout est cassé, tout est... Everything is broken. Voilà. Et même des pasteurs qui auraient pu faire un travail, eux-mêmes aussi, ils ont plusieurs maîtresses maintenant, beaucoup. Even pastors who are supposed to be doing the Lord's work, they all have mistresses. Comme le bishop, il est un voleur, le voleur, je suis du Canada, c'est bien sûr. Even the bishop that was, they had to deport him from Canada. Vous avez vu la même pasteur avec limousine? Have you ever seen a pastor in the Bible have a limousine? Vous aimez ce genre de pasteur. But you like that. That's what you like. Seigneur, sauve-nous. Qui a peur de se marier? Who's afraid to get married? Hey, parents. Don't be ashamed. That's all. Pourquoi? Dis-nous. D'être sûr d'être dans la volonté du Seigneur. D'accord. So my first fear is not to be in the will of the Lord. Et puis ma deuxième peur, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui a le cœur du Seigneur et qui va le Lord. And I want somebody who has a heart of the Lord. Si quelqu'un se marie hors de la volonté du Seigneur, il va se retrouver en prison. If somebody marries outside of the Lord, they'll find themselves in a prison. Et beaucoup de gens se retrouvent en prison comme ça. And many people find themselves imprisoned in that way. L'homme doit être à l'image de Dieu, doit être un vrai chef. A man has to be in the image of God. He has to be. Le chef c'est qui? And who is the head? C'est quelqu'un qui ne dit pas aux gens, fais des choses comme il dit, fais comme je fais. A head is not somebody saying you do this, you do that. Il enseigne par l'exemplarité. He sets the example and he teaches by example. Comme Jésus. Like Jesus. Faites comme moi. Jesus said, do like me. Il a lavé les pieds des apôtres. He washed the feet of his feet, the feet of his disciples. Chef. And that's the head. La femme bâtie par Dieu. The woman built by God. Elle est soumise d'abord au Seigneur. She is first submitted to God. Elle est soumise à son mari, mais la soumission d'une femme de l'homme est la conséquence de l'amour qu'elle reçoit. The submission that she submits to man is as a consequence of the love. Une femme aimée. Une femme écoutée, c'est une femme qui va se soumettre au Seigneur. Is a woman who will et alors, et la soumission de la femme et de l'homme n'est pas du tout c'est une soumission conditionnelle à condition que l'homme lui-même soit soumis à la parole du Seigneur. And that submission, the submission of the woman is conditional to the fact that the man submits himself to the word of God. Dans nos assemblées, on ne prend pas assez de temps pour enseigner sur la famille. In our assemblies, we don't teach about family. La famille. The family. Les hommes qui sont mariés et qui n'ont jamais été au restaurant
ou qui peuvent faire un an, deux ans sans aller au restaurant avec leurs enfants, leurs femmes, leurs mères, n'ayez pas honte. So if you're married and you can spend one or two years without ever going to a restaurant with your wife, lift up your raise up your hand. Les hommes mariés, s'il vous plaît, c'est une question pour l'année. Vous voulez que je vienne vous chercher? Do you want me to point you out? Ici, Kelly. Enlève la main. Come on, raise it up. Tu peux rester un an sans aller au restaurant avec ta famille. Can you stay one, spend 1 year without ever going to a restaurant with your family? Yeah. Alors. So. Sans aller dans un parc, se promener. Without going to the park to walk around. That's true. Are you sure? Mais c'est comme ça se passe à Montréal. Is that how Montreal is? Est-ce qu'à Montréal, il y a des hommes qui, dans les églises, qui ne vont jamais en week-end avec leurs enfants, avec leurs femmes? Are there men in Montreal who never go out ouais. with their family on the weekends? Comment? Il y a quoi? Il y en a plein. Oh, there's a lot of Oh Seigneur. À Paris, les frères et sœurs qui veulent se marier. In Paris, those the brethren that want to get married. On propose des enseignements. We offer to give them marriage counseling. C'est quoi le rôle de l'homme? What is man's responsibility? Quoi le rôle de la femme? What are the woman's responsibilities? Et quelles sont les responsabilités des parents vis-à-vis des enfants? And what are the responsibilities that they have to their children? Papa, c'est quoi ça? Daddy, what's that? Go on, get out of here! Qui a déjà vu ça? Who's ever seen that? Les enfants qui ont vécu ça, levez les mains. Any child who's ever heard that from their parents, raise up your hand. Marc, on est toi aussi. You also. Donc, un enfant que l'on traite comme ça. When you treat a child like that, ne va plus jamais poser des questions. Will never ask questions again. Qu'est-ce qu'il va faire? What is he going to do? Il va aller chercher les réponses dehors. He's going to seek for an answer outside the home. Papa, c'est quoi ça? Daddy, what is that? Ça, c'est une voiture. Oh, that's a car. C'est pourquoi? Why do we have? C'est pour nous déplacer. It's so that we can move around. Pourquoi? Oh, why? Parce que nous sommes des êtres qui se déplacent. Déplaçons comme ça pour aller d'un point à un autre, travailler. We need to go to work, we need to go to school. Parce que si on ne travaille pas, on ne va pas manger. Because if we don't work, we don't eat. Pour manger. Daddy, what's eating? C'est ouvrir la bouche et mettre de la nourriture dedans. It's opening up your mouth and putting food. Ça va où, papa? So where does the food go? Ça va dans le ventre. It goes into your belly. D'accord. Amen. Eh bien, sa curiosité est satisfaite. And then that curiosity is satisfied and they're recorded in the room. L'enfant comprend que son papa est son professeur. So the child will understand that the father is the teacher. Parce que Hébreux 12 nous dit que les pères sont les professeurs. And this is what Hebrews 12 teaches us, the fathers are the teachers. Mais toi, but you, en tant que chef, t'as pas le temps. As the head of the family, you don't have time. Why? Série télévisée. Série télévisée. Le sport. Because of TV, you're watching sports. Pourquoi le sport que vous aimez ici? You like to watch sports on TV? Le hockey. Hein? Yeah. Le hockey, c'est ça? Oh, le hockey. Le match commence. Yeah, your hockey match is starting. Come on, get out of here, get out of here. Chérie, oui. Amenez-les dans la chambre. Dear. Ferme la porte. Put them in the room, close the door. I gotta watch my hockey. Soyons honnêtes, qui a déjà fait ça à ses enfants? Who's ever done that to their children? Be honest. Soyons honnêtes. Come on, be honest. Ma soeur, merci. Qui d'autre? Come on, fess up. Merci ma sœur. Qui d'autre? Oh, well, come on. Merci ma sœur. Bon, la série là, les feux de l'amour qui ne finissent jamais. You know, the world les feux de l'amour qui ne finissent jamais. Il y a toujours ce feu. It's always continuous, it never ends. Ah, la série commence, feu de l'amour. Hey, qui a déjà fait ça? Vous êtes sincère. Be sincere, come on. Amour pour la révolté. Une autre série. Ah, you know, fait ça. World series, kick your kids out of the room. Vous voulez que je parle, non? Can I Alléluia! Amen.
s'aperçoit que nous avons des problèmes. Who can tell that we actually have problems? Papa arrive. Daddy comes home. Il rentre du travail. From work. Les enfants qui étaient dans la salle à manger se cachent. And the children run and hide. They scatter. Papa arrive. Daddy's home. Everybody scatters, goes to their rooms. Parce que le lion vient d'arriver. Because the lion has arrived. Who left those shoes there? Take it up now. Qui a déjà vu ça? Who's ever lived through that? I think the Lord is cleaning us out now. Ah, mama arrive, hein? Mama arrive. Okay, guys, mom's coming Parce home. Que tout le monde sait que mama le fait que c'est merde. Because everybody knows that mom is irritated all the time, and all she does is scream elle at everybody. En fait, she can take a glass and just crash it on papa the wall. And father is so afraid he can't even see anything. Papa, qu'est-ce qu'il fait? Il préfère sortir avec ses copains, ses amis. And father prefers to go out with his girlfriend. Il rentre tard dans la nuit. And comes back home later at night. Les enfants? Children. Comme ils voient les parents se discuter du temps, se crier dessus. Because they see the children, they see their parents arguing. Alors que le lendemain, ils ont école à 22h, ils sont encore dehors avec les amis. But at 10 p.m. they're still outside with their friends, even though they have school the next day. Et c'est dehors comme ça qu'ils vont apprendre à fumer le joint. And that's how they learn to smoke weed. La drogue. They smoke weed. Avoir des armes. Have guns. Avoir la porno sur leur portable. Learn how to seek out pornography on their phones. Mais le dimanche. But Sunday. Les enfants voient les parents. They see their parents. S'apprêter pour aller à la maison de Dieu. Getting ready to go into the house. Papa sort son costume, sa cravate. You know the father has got a suit and tie. Come on guys, get out of the house. We're going now. Papa est diacre. You know, father is a deacon. Et quand il arrive devant le bâtiment de l'église, and when he gets close to the church, il change d'attitude. His attitude changed. Il a le sourire. He now has a smile. Alors dans la voiture tout au long du trajet, il ne faisait que crier sur les enfants. But yet, during the whole trip there, he was only screaming at the kids. Ah, Diacre Joseph, comment tu vas? Ça va, maman? Deacon Joseph, how are you? Tout va bien par la grâce de Dieu. J'aime pas trop cela. Tout va bien. Même quand ça va pas, il faut dire que ça va pas. Il y a beaucoup de menteurs chez les chrétiens. You know, Christians are liars because even when things are not going well, they're saying, on leur pose la question, comment allez-vous? Tout va bien par la grâce de Dieu. Ça va! And they said, oh, non, ça ne va pas, je suis attaqué. But they should be saying, je ne pensais ça plus bien pour moi. You know, they pray for me. Là, je parle. Voici durant le trajet de la maison à l'assemblée, afin de crier sur tout le monde, j'en peux plus. You know, the wife should be saying, my husband was only screaming in the car as soon as we got here, he stopped. Mais l'assemblée, c'est le prédicateur. Même la foi change. Alléluia. You know, and even their voices change when they get to church. Alléluia. La femme assise au fond là-bas, elle se dit, and the woman is sitting there. Quelle hypocrite. And saying to herself, what a hypocrite. Ça va tout le monde? Is everyone alright? Qui veut parmi les hommes? Qui veut être un bon chef? Amongst the men here, who wants to be a good head? Qui parmi les hommes s'aperçoit qu'il n'était pas, qu'il n'est pas un bon chef, un chef? And who can admit that they have not been a good head? Merci, according merci, to God. Merci, merci. Thank you, brother. Merci. Thank you. Oui, merci. Pour ceux qui sont sincères, parce que je vois les mains qui ont du mal à se lever. I see some people want to put their hands up. Et ça arrive, hein? Okay, it's coming. Don't worry. Vous savez, l'erreur que nous pouvons commettre, hein, parce que souvent, you know, que nous commettons, c'est the error that we quand make. On a, quand on a des défauts, on a tout ça. Is that when we have a fault? On va, soi-disant devant le Seigneur, on se rend pas compte qu'en allant comme ça, là, devant le Seigneur, on va s'exposer. That we are afraid to expose ourselves. On va être exposé. We are afraid to be exposed. Notre caractère va être exposé. Our character will be exposed. Et on s'en rend pas compte.
And we don't realize. Parce qu'on ne nous a pas habitués à cela, parce que dans les églises, because we're not used to that. We're used to hiding. The church has taught us to hide. Je sais que dans les couples, dans les familles, ici, il y a des choses qui se passent. You know, in marriages right here, there are things that are going on. Le frère qui se dit chrétien. The brother says he's a Christian. Crie. You know, he's always pitching a fit. Pour se calmer. And to calm him down. Il faut qu'il casse quelque chose. He has to break something. Il faut qu'il colle quelque part. He has to hit something. Et là, sa femme est malheureuse. And his wife is unhappy. Je parle d'une femme ici. I'm speaking to a woman here. C'est quoi le mariage? What is marriage? C'est la rencontre de deux cœurs. It is the meaning of two. On n'épouse pas l'apparence physique. You don't marry the physical. On épouse ce qu'il y a à l'intérieur. You marry what's on the inside. Grâce à l'abondance du cœur que la bouche part. Because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. C'est pourquoi certaines femmes qui sont pourtant très belles vont se mettre avec des hommes qui ne sont pas forcément beaux. You know why beautiful women are with like not so beautiful men? Parce que ces femmes ont trouvé, n'est-ce pas, une oreille. Because these women have found a listening ear. Qui les écoute? That will listen to them. Vous savez pourquoi le diable a parlé avec la femme et non avec l'homme? You know why the devil spoke to the woman? Parce que l'homme c'est le raisonnement. Because man has a raison. L'homme c'est la tête, ça raisonne. La femme c'est le cœur. The woman is all about. Et la femme a besoin de parler parce que c'est l'abondance du cœur qui la bouge pas. And the woman needs to speak because it's about out of the abundance of the heart. Et voilà pourquoi beaucoup de femmes sont les femmes sont le plus sensible que le. That's why many women are more sensitive. Il y a plus de femmes ici que des hommes, par exemple. And look at this here in this room. La femme sur le cœur, c'est la sensibilité. Pierre dit la femme est un vase fragile. You know, Peter talked about the woman being the weaker vessel. Et Adam n'était pas là pour parler à sa femme et Satan, ça tape la place. Adam was not there to speak to his wife, so Satan took his place. Right? You see? Qui sont les plus grandes victimes des bishops? Ce sont les femmes. Who are the greatest victims of these bishops? They're women. Right? You see? Ta femme veut parler. Ah, j'ai pas le temps. Your wife wants to speak. I don't have time. Elle va trouver une oreille. She'll find somebody's ear to hear her. Parce que toi, tu le fais de crier. Because you're just brushing her off. Fais dialogue. T'as pas le temps. You don't have time to talk. Elle va commencer à parler de ses problèmes devant l'assemblée alors que toi, t'es pas au courant. She'll start talking to the people in the church about her problem and you. Parce qu'il y a pas l'oreille à la maison. Because she's not heard. À la maison, c'est que mais tu sais, c'est ta femme n'a pas besoin d'un pasteur à la maison. A woman does not need a pastor in the home. Ecclésiaste dit la Sulamite, il appelle ma sœur, d'abord mon ami. He called the Sunamite woman. Le mariage commence par l'amitié. Marriage starts with le Seigneur dit, the Lord says, je ne vous appelle plus esclave mais ami parce que un ami au dit. Called you servants, I have called you friends. Quand on parle de l'amitié, on parle de la confidentialité. When we talk about friendship, we talk about confidence, trust in one another. Il faut que ta femme soit ta confidente. Your wife has to be the person. Ton mari, ton confident. Your husband has to be the one. L'amitié, ça commence par l'amitié. It starts with friendship. Les gens se marient alors qu'ils n'ont jamais été amis. People get married but they were never friends. Donc du coup, ils ne se confient pas les choses. So they don't confide in one another. Bah oui, parce qu'il y a tout de suite un coup de foudre, l'attirance physique et puis tac, on se marie. You know, because there's a physical attraction. Prenez le temps. Take the time. Soyez d'abord des amis. First be friends. Ça c'est la première étape. That's the first step. Parce que tu risques d'épouser un inconnu. Because you risk marrying somebody who you do not know. Vous commencez déjà par les caresses alors que vous n'êtes même pas encore marié. You start caressing the tactile, tout est tactilisé. You know everything is about touching in this generation. You gotta touch. L'amitié. Friendship. Amitié. Friendship. À un ami, on dit tout. When you have a friend, you tell them everything. On partage tout. We share everything. Ses faiblesses. The weaknesses. Ça, ses forces. Their strengths. Tout. Everything. Comme ça, il n'y a pas de secret dans le foyer. And there's no secrets in the house. Il n'y a pas de zone d'ombre. There's no shadows, no things hidden in the dark. Deuxième étape. Avant d'aller au mariage, fraternité. To marriage is the brotherly. La Sulamite appelait Salomon mon ami, et ce dernier appelait la Sulamite mon ami aussi.
You know, the Sunamite woman, Solomon called mon frère, her. Pardon. Mon frère, ma soeur. My sister, my brothers. Solomon called the Sunamite woman. My sister. Bah oui. Yes. En tant que frère et soeur, bah, ils avaient le même père, le seul père, le père céleste. As brother and sister, they have one father who is the heavenly father. Est-ce que ton futur mari is your future husband? Est ton ami, est-ce que ton mari is est ton frère? Your husband, your brother. Est-ce qu'il te traite comme sa sœur? Does he treat you as a sister? L'enfant de Dieu. As a child of God. Ou comme une étrangère. As a stranger, or as a stranger. Et la troisième étape. And the third step. Les fiançailles. The engagement. Ma fiancée. My fiancé. Mon fiancé. My fiancé. C'est ce que l'Ecclésiaste dit. This is what the priest. This is what. C'est ce que le Seigneur a fait avec nous. This is what the Lord has made. Dans Jean 14, il dit nous sommes ses amis. He says we are his friends. Et le secret de Yahweh est pour ceux qui le craignent. And the son intimité, ses amis. God reveals his secrets to those who fear him, ensuite, to those who are his friends. Eh bien, il nous appelle ses frères. And then he calls us what? His brothers. Mes frères. He says, my brethren. Voyez, nous sommes frères et sœurs. We are brethren, brothers. Et ensuite, il nous a nous sommes fiancés à Yeshua. And then we are the bride of Christ. Quelle étape, faut pas les brûler, faut pas les brûler. There are steps that you cannot skip. La société veut que l'on consomme tout de suite. Society wants us to consume the relationship right away. J'appelle cette génération la génération McDrive. I call this generation. Prêt à porter. Tout va, tout doit être prêt. The microwave generation, they want everything right away. On épouse les femmes ne savent même plus faire à manger, c'est que du surgelé, micro-ondes, et puis tac, the husband comes home, and the wife puts the dinner in the microwave, and in 2 minutes it's done. Vous allez me dire, alors le frère me dit que c'est que les femmes doivent faire à manger, non, je le dis. You know, I'm not saying that the wife has to cook every day, don't. Vous épousez les femmes qui ne savent même pas faire à manger. You marry a man who doesn't know how to cook. J'ai dit à mes enfants, les trois, avaient vécu le bas âge, on leur a appris à faire à manger. I taught my three children how to cook. Les trois, sans faire à manger. They know how to cook. Sans les courses. They go up and they run errands. They go à la maison. They can vacuum, they can clean. Photo. They do everything. Vous les préparez. We are prepared. Et je m'assois avec eux, je leur dis, voilà comment vous devez vous comporter avec vos femmes. And I sit them down and tell them, this is how you behave with your wife. Jamais lever la main sur une femme. You never hit your wife. Jamais taper une femme. You never. Jamais poussé une femme à travailler comme une folle pour que tu pendant que toi t'es à la maison. You never force her to work so that you can. Voilà ce que la parole dit. Here's what the word of God. Des règles bibliques. These are biblical rules. Jamais tromper sa femme. You never cheat on. Jamais étant chrétien aller faire des enfants dehors. You don't make wives. Quel que soit les combats, il faut se battre. Outside the marriage, no matter what the fight is, you fight. Oui, papa, oui, papa. La famille. The family. Maintenant, si vous vous retrouvez dans plein de défauts. And if you find yourself with many faults. Non, ne vous sentez pas condamné. Don't feel condemned. Mais pas perdu. All is not lost. Heureusement que quelqu'un est mort à la croix pour vous. Thank God that somebody died on the cross. Il est venu pour nous réparer. And he came to fix it. Il est venu pour nous restaurer. He came to restore. Donc il peut changer. So he ton caractère. Can change your character. Il peut changer ça. He can change it. J'étais un homme à femme. Well, there's a wife moi, and a husband. Je tirais sur tout ce qui bougeait. Oh, there are men that are really chasing down the women. J'étais un prédateur. I was a predator. I was the one who chased after women. Il fallait connaître les femmes. I had to know it from all the. I had to know the woman. Et quand le Seigneur est venu, parce que mon père. And when the Lord came, because my father. Mon père était polygame. My father was a polygamist. Il était très riche. He was very rich. Ma maman était la première. My mother was his first wife. Il a eu plein d'autres femmes. And he had many other wives. Comme il prenait souvent un avion, un vol pour un avion pour aller chercher des denrées un peu partout, des marchandises un peu partout. And often he had to travel for business. En tout, il a eu 19 enfants. And he had a total of 19 kids. Voilà le modèle que j'ai. And that's the example that I had. Merci après gloire à Dieu. You know, but thank God. Et avant sa mort et. He repented before his Donc, je n'avais que ça comme modèle. So that was my reality. Mes frères, les coureurs de jeu. You know, brothers who would run after you. J'avais que ça comme ça. That was my example. Donc, moi-même, j'ai commencé à reproduire ce modèle. So I started to imitate that. Je travaillais au cinéma, à Paris, dans le cinéma comme opérateur, comme cinéaste. You know, I was working as an operator in the theater. Et il y avait des femmes. And there was women coming in. Que les femmes.
It was only me. Je pouvais en avoir sept en même temps. Je les aimais toutes pareillement. I loved them all. I could have seven at one time. C'était bizarre. I was strange. À l'époque, il n'y avait pas de portable. J'avais un calepin qui n'avait que le numéro de femme. You know, and back in the day, we didn't have a cell phone. I just had my address book, my paper. Je me disais, si je me convertis, comment je vais faire pour avec toutes ces femmes-là? Comment je vais faire pour abandonner tout ça? And I thought to myself, well, if I convert, if I become a Christian, am I gonna, what am I going to do with all these women? J'aimais tellement les femmes que dans une journée, elle voulait savoir où j'habitais, sachant que j'étais à courir de chez moi. Elle m'a dit, je veux d'abord voir où j'habite, parce qu'on m'a dit, tu vois, une fois, je l'ai amené chez un marabout. You know, I loved her so much. Point, j'étais dangereux. There was one woman that said, I want to see where you live. J'avais une clé. And I brought her to the toujours, qui ouvre tous les immeubles de France. And I had a key that opened all the buildings up in France. Je l'avais chez le marabout, j'arrive à l'hôpital, la porte en bas. I opened the door. Je monte. And I went upstairs. Je sors comme si c'était chez moi. And I was ringing the bell as though I were home. Son bras doit sortir. Papa est là. Papa est là. Il aura tombé la barre d'ombre. Et I was crazy. Quand il m'a touché. And when Jesus touched me. Un de mes amis, Tariq. One of my friends named Tariq. He was an engineer, he came to see me. Il est venu au cinéma, il m'a dit, Shora. He came to the cinema and he said, Shora. Nous savons que tu ne veux pas être avec nous. We know that you're not like us anymore. Tu ne veux plus revenir. You don't want to come back. Mais s'il te plaît. But please. Donne-moi ton album. Give me your address book. Give me the lady's numbers. Parce que c'est moi qui avais des plans squats quand il y avait tous les week-ends. C'est moi qui disais, bon, il y a là-bas, il y a telle famille, les parents partent en week-end, leurs filles restent, allons squatter là-bas. Because I was the one who was always up on the news, whose parents were out for the weekend, and the girl was alone at home. Je lui ai dit, Tariq, non, on peut finir. I said, Tariq, no. Je sors mon calepin, je le déchire. And I took out my address book and I tore it up. J'ai pas eu le temps d'appeler mes ex, toutes mes femmes de l'époque pour leur dire, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, je le I disappeared. I went outside. I didn't call them. That's it. I just disappeared. Et le Seigneur m'a changé. And the Lord changed me. Il peut le faire. And He can do it for you. Alléluia. Voilà, je vous remercie. Donc, tu peux, frère. So, brother. Restaurer ton foyer. You can restore your grâce au Seigneur. Because of the Lord. Tu peux montrer à tes enfants que tu es un homme fidèle, un père digne de ce nom. You can show your children that you are faithful and that you are worthy of that name. Capable de prier le genou devant le Seigneur pour avoir la force nécessaire pour réparer ton foyer. Pray to the Lord to have the ability to restore your home. Des femmes qui étaient prêtes à divorcer peuvent être chrétiennes. Pour restaurer le Yeshua, tout est possible. Women who are on the verge of divorce, Jesus can restore it all. Des hommes qui boivent, qui buvaient, peuvent tout abandonner grâce au Seigneur. You know, there are men that were alcoholics that couldn't stop drinking, but because of the Lord, they were able to stop. Tout est possible à celui qui croit. Nothing is impossible for the one who believes. Ceux et celles qui ont du mal à pardonner à leurs enfants, leur mère, leur père, peuvent le faire grâce au Seigneur. Those who find it impossible to forgive their children, father, mother. Tout est possible grâce au Seigneur. God can help you.